Tiens mec, regarde un épisode. Hein? C'est grave. Ah nickel. Attends mais c'est du 45. Ah ouais mais j'ai pas d'armes pour le 45. Ah c'est du 40. Ah c'est du 45, merde, excuse. Je crois que c'est du 44 qu'il faut. Bah tu sais au pire c'est pas grave. Je te les rends ou quoi? Ah bah si merde, bah. Tu chies des balles en fait, c'est marrant. Et tu sais comment Ruki enlève sa capote? Faire quoi? Tu sais comment Ruki enlève sa capote? Ah non, du tout. En pétant. Ça va, je suis un humoriste public. Ouais, mec, je vais aller au commissariat. Bah, par contre, on va pas trop parler, on va éviter de trop parler. Ça roule. Allez, suis-moi. Je t'ai déjà raconté la blague sur Ruké? Oui, oui, ça fait déjà deux fois. Là, mon gars, c'est où t'as tout, où t'as rien. Tu vas être content, vas-y, viens. Y'a quoi? Ah! T'en as pas besoin, toi? Non, c'est... Putain, le mec, il change d'arme comme de style. Ici normalement il y a des... Ah un sac, ouais, je dis pas non. Je t'ai déjà raconté la blague sur Ruké? Tu me l'as déjà raconté. La blague du va te faire enculer, tu la connais aussi? Non, vas-y, raconte. Oh, t'es vraiment mesquin. Mais vraiment, c'est vraiment petit, tu vois ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment petit. Oh là là. Putain. Inch'Allah, ça soit pas comme ça dans la vraie vie. Parce que sinon. Bah, dans la vraie vie, déjà, tu pourrais plus parler, de base. Ah non, dans la vraie vie, déjà, je t'aurais déjà traité de fils de pute. Déjà, vraiment, et toute ta famille. Mais là, je vais être gentil. Mais non, tu serais mort. Ta vie, tu vas mourir dans même pas une demi-heure parce que t'as rendu toi là. Tu vas crever comme une vieille merde. Et je serais content. Pour la peste. Bah, excuse-moi, j'ai mieux joué que toi, c'est pas grave. Plein d'amour et d'autres. Bon, s'il le dit. Je suis mesquin. Ah non, de Dieu. Check. Ouais. Ça va ou quoi? Ça va, ça va. C'était quoi derrière? Eh, il pète un câble, les gars. Ils sont en train de se tuer là. Pourquoi ils s'entretuent? Mais lui, mais je sais pas, c'est des malades. Eh, hey, Wheezy. Oh la seigneurie. Comment Ruquier, enlève sa capote? Hey, it's the same guy. Bro. Je sais pas. En pétant! Yes. Vas-y, je te suis, c'est nulle part où aller. J'ai pas de maison, j'ai rien. Ah, t'inquiète. T'inquiète, on est dans le même cas. Moi, je fais des vidéos sur YouTube. Nanana. C'est vrai? Ouais, de beatbox. Beatbox? Et tu connais un mec qui s'appelle Chichounet? Ben non. Uzi Beatbox et je fais des tutos et des freestyles. Des tutos? En vrai, de beatbox et des freestyles aussi. D'accord. Genre... Non, genre... Pop, tap, bass, motherfucker. Ah d'accord, ouais, d'accord. C'est pas mal aussi, ça. Bah, c'est pas mal, ouais, oh, là, c'est... Rip, oui, c'est... Ouch. C'était pas mal. Merci pour le beatbox. Merci de rien, au revoir. Ciao ciao. Je vais revenir, papa. Ouais, t'es pas connu. Tu vas mourir. Tu vas mourir, papa. Car mon nom. Tu sais mon nom? Moi, c'est John Cena, fils de pute. Ah, vas-y, tu te déposes devant la maison et tu t'en vas et on te tire pas dessus. Ouais, ou alors je me barre à l'arrière de la maison et je garde mes armes. Attends, laisse-moi réfléchir. Ok. Ah, je suis français. Ah.
Ah tiens, j'ai une blague. C'est quoi là? Tu sais comment Ruquier retire sa capote? Comment quoi? Comment Ruquier, Laurent Ruquier, tu connais? Laurent Ruquier, ouais, ça me dit. Comment Ruquier enlève sa capote? Par là. En pétant! En pétant! Ah, ok, d'accord. C'est marrant. C'est marrant. La chute est drôle. Franchement, la chute est drôle. Eh, hey, s'il te plaît, tire pas de flèche, fais pas de trucs bizarres parce qu'ici, y'a que des gens bizarres, je te préviens. Sérieux, y'a des gens bizarres? Ah ouais, ils font que tout. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu peux m'inviter en groupe? Bah, tu fais Y. Ça y est, c'est bon, je suis dedans. Non, fais Y. Oh, j'ai un couteau, mec. Ah, nice, nice. C'est bon, je suis dans le groupe ou pas? Vas-y, mets Y, mets Y, mets Y. Ah, mais c'est fait là, j'ai fait Y. Ah, mais non, c'est parce que je suis sur un. C'est la toute de ma gueule. J'ai un clavier pakistanais. Et du coup, le Y, ah, ouais, en fait, il est sur le pad numérique. Attends, je cherche. Ah ouais, nice, nice. Ah ouais, nice, vraiment. Je sais pas pourquoi, mais je la sentais. Tiens, attends, ils sont beaux. No. Coucou. C'est qui tire au sniper depuis tout à l'heure? Où là? Je suis dans la maison. Mais si tu viens pour me tuer, c'est pas cool. Putain, on voit que tes dents et tes yeux, mec. Ouais, mais c'est ce qu'il y a de plus beau chez moi, donc c'est pas un problème. Eddie Malou. Tu joues depuis longtemps au jeu? Oh, ça fait bien 8 ans. 8 ans? Ouais. Putain. Il est sorti depuis si longtemps que ça? Non. Dans le buffet. Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai pris une balle. Ah, je te jure, je t'ai pas frappé, hein. Moderal bleeding. Oh, t'as pas pris une balle? Si, si, j'ai pris une balle, si, si. J'ai pris une balle et je saigne vénère. Putain, je me cache avec toi, vas-y. Lol. Ah putain, t'es un salaud, là. Non, je suis un magicien. Oh non, t'es un salaud. Je fermais la porte, je l'ai rouverte, et c'est encore plus noir. Ouais, puis moi je croyais que t'avais fait tomber quelque chose, putain. Foiré. Hein. Bah, c'est plus ou moins ça, en fait. Ouais, t'es un enfoiré. Je te trouve un peu vulgaire. Oh non, 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 j'aurais pu dire t'es un enculé, j'ai dit t'es un enfoiré. Ça reste assez vulgaire, quand même. Il y a pire, hein. Bon, de toute façon, je pense qu'il y a quelqu'un qui va te tuer, hein. Oui, certainement. Ah, ah! Qui c'est qui fait péter des trucs? Tiens, c'est ta mort qui arrive. Ouais, je crois. Bah, je vais rester avec toi. Je vais rester avec ton cadavre. Enfin, les cendres. D'accord, très bien, c'est gentil. Y'a rien là-dedans. Allez, du monde par là. Putain, la tenue, elle est cool de sniper et tout. Si tu veux, tu vas à la base militaire, t'en as plein, ça prend que dalle, ça remplace juste la t-shirt en fait. T'es sérieux là? Bah, ça va plus vite comme ça. Mais t'en veux jamais où il t'a attaqué? Ah ouais. Oh! Bonjour madame! GG. Désolé mec. Si t'avais été désolé, tu l'aurais pas fait. C'est pas faux. Voilà, donc t'es juste un mauvais joueur. Bah non. Ah si, 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 si. Tu arrives, tu fais genre t'es friendly pour à la fin essayer de me buter. T'es un mauvais joueur. Bah non, je suis alors un que bon tu pourrais simplement aller chercher le matos toi-même comme moi je l'ai fait. Mais non, c'est trop long. C'est trop long. J'aurais voulu te buter tout à l'heure, j'aurais pu le faire. C'est vrai. Je l'ai pas fait. J'ai été cool avec toi, toi t'es pas cool, tu me butes derrière. Est-ce que t'as fait ça? Tu m'aurais pas tiré une flèche tout à l'heure dans le dos pendant que j'avais le dos tourné, tu serais mec là, tu serais mort. Mais en fait, j'ai 30% de vie. J'ai tiré dans la tête. Bah justement, j'avais un casque, c'est pour ça que tu m'as pas tué, ça m'a enlevé 30% de vie. Je sais. Mais c'est pour ça que j'ai insisté voilà. Un peu avec le couteau. Mais tu sais, c'est pas parce que t'es mort, mais tu m'aurais pas pris dans le dos, je t'aurais pas pris dans le dos, je t'aurais buté. C'est qu'un jeu, hein. Ouais, mais t'es un mauvais joueur, mec. Et ouais, ça, non, tu te dis, je trouve ça dégueulasse. Même ta copine, j'ai entendu, elle m'a dit, félicitations, bravo.
Des lâches. J'appelle ça juste un petit lâche. C'est pas ma faute, tu vas pas ken ce soir. C'est l'école. Des lâches. T'es un lâche. Ah. Si tu veux. T'es un lâche. Petit lâche. Vas-y, c'est quoi, tu sais ce qu'on fait? Écoute. Non, non, mais tu sais ce qu'on fait au pire? Toi et moi, on se rejoint à un endroit, on se donne rendez-vous, et on se raffronte. Sauf que ce fois-ci, tu auras pas l'occasion de m'attaquer dans le dos. Bah, ça dépend. Et cette fois-ci, je viendrai avec le vrai matos, tu vois. Parce que là, j'étais juste parti promener, chercher un peu de matos. Mais si tu veux, je reviens avec l'armement qu'on a dans notre base. Parce que bien sûr, on est plusieurs. J'ai un couteau et ça. J'avais deux flèches et un couteau, donc moi, tu sais. Je peux être tout à fait. Ah, bah, tu veux, justement. De toute façon, c'est pas que ça ton stuff, je te battrai, donc arrête de rager, c'est bon. Comment tu vas me battre? Vas-y, dis-moi, explique. La avec preuve, pour me battre, t'as dû m'attaquer dans le dos. Donc, ça veut dire que finalement, tu savais que tu me battrais pas. Mais sinon, tu m'aurais attaqué de face. Exactement. Et ce serait battu parce que tu as plus d'équipement. J'avais pas plus d'équipement, j'avais simplement un casque et un gilet pare-balles. J'avais rien d'autre. Mais les casques, tu les trouves partout, le gilet pare-balles. T'en as à côté, tu vas à Pleasant Valley, tu vas dans le commissariat, t'en as. T'as mal joué. Ah non, c'est que honnêtement, j'ai pensé que t'étais friendly. Mais je suis friendly en fait. Sinon, je discuterais pas, non. Je serais déjà parti avec ton stuff. T'es pas friendly, pour la preuve, c'est que t'as attendu que j'ai deux tournées pour m'attaquer. C'est ça que t'appelles friendly? Oui. Non, friendly, c'est que tu m'aurais pas attaqué. À la rigueur, tu m'aurais dit ouais, t'en aurais pas un en grab. Je t'en aurais passé, j'en ai au moins 10 dans la baraque. Ah merde, bah fallait le dire, bah voilà, mais tout de suite. Fallait demander mon grand, au lieu de me tirer une flèche. Mais là j'aurais pas été friendly, parce que je t'aurais demandé le gilet pare-balles, je l'aurais pris, et ensuite je t'aurais tué. J'ai juste moi honnêtement, je peux pas dire que t'es friendly. Mais je suis friendly. Non, t'es pas friendly. Dièse, je suis friendly. Hashtag je suis friendly, d'accord? Alors explique-moi pourquoi tu m'as attaqué si t'es friendly. Parce que t'es un petit noob qui a pas de stuff. Bah oui, mais ça compte ou pas? Ah bah non, t'es un petit noob qui a pas de stuff. Bah oui, bah c'est pour ça que je t'ai tué. Mais je suis friendly, donc dans la vraie vie. Donc si, t'es un petit noob lâche qui a pas de stuff. T'es pas capable d'affronter les gens en face pour les affronter en leur tirant une flèche dans le dos. Oui, donc mais... t'es pas friendly. Ça fait de moi quelqu'un de friendly. Mais si, mais petit nouveau lâche. Je suis ami lâche. Petit nouveau lâche. Comment il rage? Mais ta copine n'en a pas. Petit nouveau lâche. Elle doit se dire, oh non, mais je savais ça. C'est ça qui rentre en moi. Lâche le petit nouveau. Non, mais regarde, t'as même peur de trois pauvres petits zombies qui te courent après. Et sans calme. Mais n'empêche, mec, t'es tellement pourri, c'est violent. Mais je t'ai dit. Hey, arrête H1Z1, c'est quoi, pars sur Dorex pour Atrice Online, hein? T'auras plus de chances de survivre, à la rigueur, Babou il te laisserait une petite chance. Non, mais je t'ai tué. Je suis supérieur à toi. Ouais, mais pour me tuer, t'as dû m'attaquer dans le dos. Tellement que t'avais peur de moi, t'as dû arriver, t'as dû m'attaquer dans le dos, mec. Et t'as gagné. Dû mettre une flèche dans la tête dans le dos, t'es même pas foutu de la mettre de face. Mais j'ai gagné. Et encore, il fallait que je sois à bout portant, sinon tu me touchais pas avec tes flèches. Donc en plus de ça, tu vises comme une bille. Tu sais, dans toute ma vie d'acharnédin, j'ai rarement vu quelqu'un rager autant. Ah non, non, là tu verrais, là j'ai le sourire. Honnêtement, je rage pas, ça me fait rigoler. Parce que là, j'ai le sourire aux lèvres, mais la larme à l'œil. Et tu sais quoi, j'ai envie de lécher tes joues. Ah non, non, j'ai envie de lécher tes petites joues salées. Honnêtement, je te jure que non. Surtout si tu veux, je te jure que non. J'ai envie de lécher tes larmes, mec. Je t'en dis, ouais, mais là, honnêtement, ça me fait rire. Parce que t'es là, t'as aucun but. C'est quoi? Donc, c'est-à-dire que t'as dû même baisser ton pantalon pour pouvoir réussir un peu plus de ses larmes. Exactement. Tu t'attends de croiser quelqu'un. Attends qu'il tourne le dos pour essayer de lui prendre du stuff. Donc au final, c'est une méthode de lâche. Et ça a marché comme ça dans la vraie vie, mon grand. Bah, ça a marché. Bah, non, t'es un lâche. Je suis pareil. En fait, je me balade en garçon et je mets des flèches dans le dos des gens avec mon lâche. Ah, mais t'es lâche. T'es un lâche. T'es un petit noob lâche. D'ailleurs, c'est mon travail dans la vraie vie. Mais non, j'amuse. Petit lâche. T'es un lâche. Mais non, il s'amuse, tu comprends. Petit lâche. Putain, j'ai une de ces protubérances, mec. Oh, mais ramène tout ce que t'as. Y'a aucun souci. Moi, je t'attends. T'as remarqué que t'avais un sac militaire à tes pieds? Ouais, mais j'aime bien le bleu en fait. Ça va mieux avec mon caleçon bleu. D'accord, donc t'es en train de me dire que tu préfères garder un sac à 1000 places au lieu d'un sac à 2000 places. Exact. D'accord. T'as tout compris, toi? Ça t'énerve ou pas? Non, honnêtement, non, c'est que je me dis que tu pouvais simplement prendre le sac. Ah, il est énervé. Ranger le sac. Oh, Lansford, il est énervé. Oh. Énervé.
Non, c'est que honnêtement, je comprends pas ta logique là. Le sac bleu, tu pourrais le ranger dans le sac militaire, comme ça te ferait deux sacs, et tu le sors quoi ? Non, je préfère le bleu. Là, c'est un mec qui rage. Comme le sac militaire, gâche pas un sac, c'est con. Bah, je fais ce que je veux, mec, attends, merde quoi, tu veux jouer à ma place aussi pendant qu'on y est ? C'est pas de ma faute. Ah bah si tu veux, mais au moins moi je suis lisé, donc... C'est pas de ma faute si t'es mort contre un mec en calbut. Parce qu'il faut le rappeler, il faut le souligner, je pense. Non, résume le truc, pas contre un mec en calbut, je suis mort contre un lâche qui attaque derrière. Ce qui veut dire que t'es pas capable d'attaquer devant. T'es d'une lâcheté qui est forte quand même. Bah, je t'ai tué au couteau en face. Un pauvre sac. Oui, tu m'as tué parce que tu m'as attaqué derrière. Donc tu m'as mis un saignement et tu m'as mis 30% de vie en moins. T'as pas été équitable. Ça me fait le pétard. T'as pas été équitable. Donc, si, je l'ai été. Ah non, t'aurais été équitable. Et je suis en vie. Alors, non, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a l'honneur. Tu vois, toi, t'es un lâche. Moi, j'attaque pas les gens derrière. Quand je dois aller chercher du stuff, c'est face à face. Jamais attaquer quelqu'un par derrière. Ça sert à quoi ton stuff? Tu vas le chercher aux prises uniques, mec. Tu vas le chercher dans un supermarché. C'est débile. J'appelle pas ça du face à face. Non, là, j'allais pas chercher du stuff dans le supermarché. Je devrais chercher du métal. C'est du stuff. Et là, j'aurais jamais dû dire ça. Ça va être long. Tellement long. Je devrais chercher du métal. C'est du stuff. Ah alors, mon grand, il va falloir que tu revoies tes classiques. Le métal, c'est pas du stuff pour information. C'est du matériel de craft. C'est pas pareil, d'accord? Va l'apprendre. D'accord. Le stuff, c'est par exemple ton casque, c'est par exemple le gilet pare-balles, ça peut être ton arme, ça peut être tes sacs à dos, tes chaussures, ton pantalon, tes gants, tes armes en tout genre, que ce soit au cac ou à distance. Ça, c'est du stuff. Le matériel de craft n'a rien à voir avec le stuff, mon ami. Tu devrais réviser tes classiques. Tu serais pas du genre. Tout à l'heure, je disais que t'es un noob, mais je me rends compte que finalement, t'es encore un plus gros noob que je le pensais. Je me demande même si tu sais ce que ça veut dire un noob. C'est quoi un noob? C'est bien ce que je pensais. C'est quoi? Non, mais c'est quoi vraiment? Je sais pas, jamais. En moi fait, non c'est plus, mon premier jeu en ligne. Nézis! Ouais. Tais-toi, toi! Mais arrête, Lansford! Je suis avec mon ami, yes. Ouais, non problème. Tu viens me tuer? Il est gentil, Kiki. Je suis là? Non. Il est gentil, Kiki. Ah, je m'en fous ça de mourir. Dépend. Je m'en fous. Si tu veux me tuer, je te tue, mais si tu veux pas me tuer, je te non, tue. Non, mais je m'en fous, moi. Pas... Fais gaffe, il est pas friendly. Je suis friendly. Alors toi, t'es un bâtard parce que tu non, me fais non, des. Non, il est pas friendly. Le mec, il me fait des coups de pute. C'est un pote en fait, il raconte des conneries. Je suis sur test avec lui. Non, je suis pas son pote, je suis pas son pote du tout. T'es un enculé, Damien. Attends, tire des flèches dans le dos déjà. Oh le mec. Il y a un choc de le sac de simulation. Il vient de me prendre. À la base, il me sort qu'il était friendly. Il m'a mis une flèche dans la tête, derrière. Ça se tombe bien, j'avais qu'à. Attention à toi. J'ai même pas de. Un petit lâche qui attaque les gens dans le dos. Mais arrête, ta gueule. C'est un petit lâche, petit noob. Putain, la galère quoi. En gros, j'ai déjà vérifié, y'a rien du tout. Ok, d'accord. Mais t'es une fille ou un garçon? Excuse-moi, hein, c'est la voix. Un garçon. Ah, d'accord, pardon. Ah, mais t'inquiète, hein, j'ai été adolescent aussi. Tu connais la blague de Ruquier? Non. Comment Ruquier enlève sa capote? Oui. Comment Ruquier enlève sa capote? Voilà, c'est la blague. Comment Ruquier enlève sa capote? Tu l'as pissé de rire, franchement, elle a crevé de rire. Ouais. Non, mais comment Ruquier enlève sa capote? Mais je sais pas. En pétant. Voilà. C'est tout. C'est... Oui. C'était marrant. Franchement, c'était marrant. Ouais. Ouais, ça peut aller. Putain, y'a rien ici. Sur le niveau blague, ça peut aller, mais. Tu sais où tu es là sur la map ou tu sais pas du tout? Pas du tout. Attends, je regarde.
GG. GG. T'es à combien de pourcents? 18 et j'ai plus beaucoup de... T'as des bandages sur toi? À ton avis. Ah ouais. Cool. Ouais non, j'ai bien pris cher. Et j'ai deux flèches. T'inquiète pas pour nous, t'as bien vu, on est bien stuff. Ouais, j'avoue, j'avoue. Avec une flèche, on peut faire pas mal de trucs. Hein. Pourquoi tu m'as tué? Bah, pour montrer qu'elles étaient pas explosives en fait. Non, mais ça fait mal. Bah, elles sont pas explosives mes flèches. Non, mais tu l'as tué donc on tue. Ah, bien vu. J'avais pas vu ça sous cet angle.